Rallye copie, fiche numéro 1. Leçon O. Le renardeau est le petit du renard. Le chevreau est le petit de la chèvre. Mais le tableau n'est pas le petit de la table. Et le poireau n'est pas non plus le petit de la poire. Pourtant, c'est rigolo. Fiche numéro 2. Pour la fête, je vais faire un poulet au navet. Une douzaine de madeleines et un sorbet à la pêche. Je peux aussi faire des éclairs au chocolat, mais je n'ai plus de lait. Je vais chez la crémière. Elle aura sûrement du lait frais. Fiche numéro 3. Ce midi, Kamel déjeune au restaurant de son hôtel. Mais il y a beaucoup de clients. Il ne reste plus qu'une table près de l'escalier. Kamel demande au serveur de venir prendre sa commande. Des haricots verts et un gâteau sec au miel. Comme l'attente est interminable. Kamel s'énerve. Il est servi après tout le monde. Dorénavant, Kamel déjeunera dans un autre restaurant. Fiche numéro 4. Dans sa fermette, Fanette fait sa toilette en poussant la chansonnette. Elle tresse ses longs cheveux blancs en y mettant des violettes. Avec sa nouvelle trottinette, Fanette part faire du tennis. Puis, accompagnée de sa chienne, elle enchaîne escrime et escalade. Fanette est élégante, mais elle est surtout sportive. Fiche numéro 5. Le moustique dit au criquet. Que croques-tu? Je croque des épis de blé, répond le criquet. Le canard demande au coq. Qu'avales-tu? J'avale des graines, répond le coq. Le crocodile dit au requin. Que dévores-tu? Toi, répond le requin. Fiche numéro 6. Nous jouons à deviner un métier. Vous assurez la sécurité de tous. Vous portez un uniforme. Vous donnez des amendes ou vous menez des individus au commissariat. Qui êtes-vous? Fiche numéro 7. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront le poulain pour qu'il prenne son bain. Maintenant, il donne plein de grains et du pain dur aux poules ainsi que des carottes aux lapins. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Fiche numéro 8.
la baleine, le dauphin et le phoque sont des mammifères marins. Le phacochère est un mammifère terrestre. C'est une sorte de sanglier qui vit en Afrique. Dans la savane, on le voit souvent à côté de l'éléphant. Fiche numéro 9. J'entends le vent qui souffle de plus en plus fort dans les branches. Quelle tempête pour un jour de printemps! Je vois le vent qui emporte les lampes du jardin dans un champ. Je retourne me blottir dans mon lit en attendant le beau temps. Fiche numéro 10. Voici l'histoire d'un chat qui se gratte partout. Le chat pense qu'il a une collection de puces dans le dos. Il demande à un garçon: gratte-moi! Le garçon obéit et gratte. Gratte! C'est l'histoire d'un chat et d'un garçon qui se gratte partout. Fiche numéro 11. As-tu vu une girafe avec des nageoires? Non, j'ai vu une girafe avec des pattes et des taches. As-tu entendu le pigeon rugir? Non, je l'ai entendu roucouler. As-tu senti le singe bouger à côté de toi? Oui, je l'ai senti gigoter près de moi avant de trouver refuge dans les branchages. Il doit toujours y être. Fiche numéro 12. Aujourd'hui, mes cousins visitent un musée sur les dinosaures. Mon cousin voit un tyrannosaure et dit à sa sœur: écoute ma devinette. Ce dinosaure mesurait 12 à 14 mètres de long et 5 à 6 mètres de haut. C'était l'un des plus grands carnivores. Quel est son nom? Ma cousine sourit. Elle a deviné. Fiche numéro 13. Tanguy aime faire des blagues à ses amis. Lundi, il a retourné le guidon du vélo de Guy. Et maintenant, celui-ci zigzague drôlement en pédalant. Mardi, le coquin a déguisé le bulldog de Maggie. Il lui a mis une guirlande autour du cou. Mercredi, Tanguy a déréglé les cordes de la guitare de Marguerite. Un jour, c'est peut-être de Tanguy que l'on rigolera. Gare à lui. Fiche numéro 14. Une chenille est un petit animal avec des pattes. Elle mange beaucoup et grandit très vite. Un jour, la chenille arrête de manger et de bouger. Elle s'accroche à une brindille et s'enferme dans un cocon pour se transformer. Au bout de 2 semaines,
Quelque chose commence à sortir. Un nouvel insecte. Un papillon. Il ne s'envole pas tout de suite. Il lui faut une ou 2 heures pour que ses ailes se déplient. Fiche numéro 15. La corneille a des cadeaux pour ses amis. Pour qui est-ce, fauteuil? Pour l'écureuil. Pour qui sont les groseilles? Pour l'abeille. Pour qui sont les chatouilles? Pour la grenouille. Pour qui est l'éventail? Pour l'épouvantail.